Écoutez, ça s'est fait très rapidement. À partir du moment où j'ai eu le coach au téléphone et le président, j'ai senti un réel intérêt du club de ma part. Donc ça s'est fait très rapidement avec, avec un président. En fait, j'ai retrouvé un peu ce que j'ai pu vivre avec le Racing, c'est-à-dire un club bien stable. Avec un président et un coach qui m'ont fait part d'un réel intérêt de venir. J'ai pas hésité une seconde parce que le projet, voilà, je pense que vous, j'ai pas besoin de refaire mon CV, vous le connaissez. Ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu à Strasbourg, une forte ferveur, de la passion. Donc voilà, j'ai pas hésité une seconde à venir à Bastia. Oui, le jeu familial, je dirais, je vais apprendre à découvrir mes coéquipiers, le staff, la ville. Voilà, comme je vous le dis, ça fait penser un peu à ma venue il y a 10 ans en arrière à Strasbourg. Je ne connaissais pas du tout le club parce que je suis originaire plutôt de Sochaux. Et je ne connaissais pas du tout le club de Strasbourg à l'époque, quand j'ai signé à Strasbourg. Je n'avais jamais joué à Strasbourg. Et c'est voilà, quand Bastia en 10 ans, ça s'est croisé avec Strasbourg au niveau de l'équipe. Donc j'ai jamais joué ici. Voilà, ça m'a fait penser à il y a 10 ans. Sauf que là, le Sporting a déjà remonté pas mal d'étapes. Donc voilà, je voulais emmener toute mon expérience vécue avec le Racing, toutes les valeurs que les Alsaciens m'ont apportées. J'ai l'impression qu'avec le Sporting, est-ce que vous, les Corses, si je peux dire les Corses, hein, je ne sais pas si ça apprécie ici, si on, les Corses, voilà, les valeurs que toutes les Alsaciens m'ont véhiculées, ben je voudrais essayer de les amener aussi ici. J'ai beaucoup de valeurs, bon, voilà, je véhicule beaucoup de valeurs pour les jeunes joueurs, donc je pense que je peux retrouver ça avec le Sporting, tout simplement.